Monsieur Mombari. Chers frères, chères sœurs, chers enfants, chers fils. Je suis venu ici pour porter ma compassion, mais l'accueil que vous me réservez me met tellement en joie que j'espère que cette joie-là se retrouve aussi dans le cœur de vous tous. Dans le cœur de la famille qui a perdu ce jeune. Et que le Seigneur lui-même organise les choses pour que nous continuions de connaître la paix et la sécurité dans notre unité. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Ça faisait quelques années qu'à l'école, je ne s'était pas vu. Mais les souvenirs qui sont restés dans le cœur sont de très beaux souvenirs. Merci donc d'être là et d'avoir organisé cet accueil-là à la dimension que vous l'avez fait. Les présents que j'ai reçus sont des présents princiers, je dirais même royaux. Donc vraiment, merci. Merci encore pour tous ces dons-là. Merci pour le courage. Merci pour et merci pour la détermination. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre pays aujourd'hui est à la croisée des chemins. Et ce que les jeunes font en descendant dans la rue, sans même qu'on ait lancé de mots d'ordre à leur direction, ça montre qu'ils ont mûri. Amen. Ils ont atteint l'âge où un jeune homme peut maintenant s'asseoir dans une assemblée d'adultes pour participer aux décisions que prennent l'ensemble des chefs de l'assemblée. Merci. Le sang a coulé ici. Et je voudrais demander à la terre qui, sans qu'elle l'ait demandé, a été obligée de subir qu'on vienne l'ouvrir, qu'on vienne la fendre pour y insérer un corps innocent. Je voudrais demander à la terre de nous pardonner nos fautes et de ne pas nous tenir rigueur. Parce que quand la terre se fâche, ça devient dangereux pour les hommes qui habitent sur cette terre. Que la terre ne nous tienne pas rigueur. Que le sang qui a été versé soit apaisé. Parce que quand le sang innocent qui est versé pousse ses cris, ça dérange toute la société. Que le sang qui a été versé ici soit apaisé. Parce que tout le monde a vu que c'est un sang innocent. Et que ce sang-là ne nous tienne pas rigueur de nos faiblesses, de nos ignorances, de nos fautes, de nos iniquités à nous autres les humains qui habitons. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous apporte sa paix. Que Dieu manifeste sa justice dans notre nation. Que Dieu nous donne le courage qu'il faut. Pour que, et la sagesse qu'il faut. Pour que cette nation-ci, là, nous acceptions de la bâtir ensemble. Autochtones et halogènes. Que nous sachions réagir avec modération,
avec sagesse, avec intelligence, pour que nous acceptions, que nous réussissions à bâtir ensemble notre Côte d'Ivoire qui nous appartient à nous tous. Dans une nation démocratique et moderne, nous l'avions déjà essayé de l'enseigner dès 1990, au moment où on se battait pour le multipartisme. À ce moment-là, vous étiez encore au PDCI. Et nous avons eu, comment je dirais, le loisir d'enseigner à cette époque-là que quand on sort du... quand on arrive au multipartisme, on sort du monopartisme et qu'on arrive au multipartisme, on doit s'organiser pour réagir autrement. On doit s'ouvrir, on doit ouvrir nos intelligences pour accepter l'autre. Donc, des lois ont dû être prises, organisant la manière dont les sociétés, dont les populations, dont les partis, dont les partisans doivent manifester leurs opinions. Ça n'a pas été facile à cette époque-là. On a subi les gaz lacrymogènes et les matraques à cette époque-là. Et puis, chacun a compris comment on doit vivre ensemble, dans le respect des droits de l'autre. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis à marcher ensemble. Quand une partie de la population n'est pas d'accord avec les décisions que le pouvoir prend, son recours, c'est de manifester dans la rue. Et quand elle manifeste dans la rue, les devoirs de l'autorité et des forces de l'ordre, c'est d'encadrer les marches, c'est de sécuriser les marches. De l'autorité. Les devoirs de l'autorité, les devoirs des dirigeants et les devoirs des forces de l'ordre, c'est de protéger les manifestants, c'est de protéger les marcheurs. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le RHDP qui est au pouvoir. Mais demain, c'est le FPI qui va revenir au pouvoir. Le PDCI peut-être reviendra au pouvoir. Mais chaque fois qu'une équipe est au pouvoir, son devoir principal, c'est d'assurer la sécurité de la population. Et quand il y a des marches, c'est d'assurer la sécurité des marcheurs et des assurés des marcheurs, de parler avec les marcheurs. On n'a pas de leur envoyer des gens pour les matraquer, pour les gazer, pour les tuer. Une nation durablement démocratique. Ce qui s'est passé là, moi je vais mettre ça sur le compte de l'ignorance encore des principes démocratiques. Alors j'appelle les uns et les autres à retenir pour que nous n'ayons plus à vivre des choses aussi graves. Nous disons au niveau de toute opposition, nous disons que les élections qui arrivent sont des élections qui doivent être justes et transparentes. Nous n'attaquons pas une ethnie,
nous n'attaquons pas une religion, nous n'attaquons aucun peuple. Nous disons que le droit de tous les citoyens à pouvoir, c'est de pouvoir vivre des